C'est un week-end qui se passe relativement bien. J'ai la chance, moi, d'organiser le trophée F3 Classique en France. C'est la deuxième fois que la Formule 3 vient ici à Monaco, avec plus de 50 voitures. Il y avait 160 demandes, c'est un vrai succès. On a des voitures magnifiques, des voitures qui ont appartenu à des pilotes connus, qui ont gagné ici. Moi, j'ai la chance de piloter l'ancienne voiture d'Alain Prost. Toutes ces voitures sont dans les configurations et dans les couleurs d'origine. Et c'est un vrai, vrai plaisir que d'être sur ce circuit qui était un circuit d'F3 pendant très, très longtemps et qui aujourd'hui aussi révèle encore des grands pilotes. Laurent Valéry, un peu plus d'une demi-heure du départ de cette séance, comment on se sent ? On se sent un peu loin de la pole position surtout. On est un peu loin, mais on s'est déjà qualifié. Il y a 15 gars qui sont rentrés chez eux alors qu'ils se battaient aussi pour être avec nous. Donc c'est déjà une chance d'être là. Et on est dans un paquet de voitures assez similaires à la nôtre. Alors on va essayer de ne pas faire de faute au départ et puis et d'être à l'arrivée parce que 35 voitures ici, c'est très, très compliqué.